Je m'appelle Livio et je suis Traffic Manager. Alors un Traffic Manager, son objectif, c'est d'attirer des internautes sur son site internet ou son application mobile via de la publicité en ligne. On peut suivre des parcours qui sont assez divers, en fac, en école de commerce. Et on trouve aussi des autodidactes qui apprennent par des expériences d'auto-entrepreneurs à gérer des leviers, du trafic, et du coup, ils le deviennent ensuite assez naturellement. Moi, par exemple, j'ai fait 2 ans en classe préparatoire, puis 3 ans d'école de commerce, où j'ai obtenu un diplôme en e-commerce. Ces missions se résument en 5 points. Tout d'abord, il doit élaborer un plan d'animation commerciale. Ce plan-là, il est régi en fonction d'objectifs commerciaux, par exemple le nombre de ventes à générer sur un mois donné, et d'un budget qui lui est alloué. Ensuite, ce plan d'animation commerciale, il va le mettre en œuvre en mettant en place des campagnes publicitaires. Ces campagnes publicitaires, il va ce qu'on appelle les traquer, c'est-à-dire qu'il va suivre leur performance digitale. C'est grâce à ce tracking-là qu'il va pouvoir optimiser ses campagnes. Et ensuite, il fait une itération. Il lance des campagnes, il les traque, il les optimise, il les relance, il les traque, il les optimise, ainsi de suite. Par exemple, chez Webus, on vient de lancer une carte jeune. Ce lancement de carte jeune, il a fallu que nous, dans l'équipe de Traffic Acquisition, on arrive à mobiliser l'ensemble des leviers pour pouvoir ensuite trouver la meilleure combinaison possible pour que ce lancement soit un succès commercial. Donc ça peut être l'achat de mots-clés sur les moteurs de recherche, ça peut être de l'achat d'espace publicitaire sur les réseaux sociaux, ça peut être de l'affiliation, ça peut être les comparateurs de prix. Donc ça va de réfléchir au message de la créa, réfléchir où est-ce que cette créa va apparaître en termes de publicité sur l'ensemble des supports qui sont à notre disposition, et ensuite comment est-ce qu'on va lire les performances associées à ces publicités. Le Traffic Manager, il doit surtout être à l'aise avec les chiffres. C'est la base du métier, c'est Excel. Il doit pouvoir justifier, grâce à ces chiffres-là, tous les investissements qu'il fait au quotidien. La deuxième compétence, c'est l'oral. Parce qu'il y a une grosse partie de négociation avec ses partenaires, avec ses prestataires, et même en interne pour pouvoir savoir vendre ses projets et sa vision. Une bonne culture web est aussi une très grande qualité qui est appréciée du Traffic Manager. C'est le tracking, c'est-à-dire le suivi des campagnes publicitaires qu'il met en ligne, pour pouvoir vraiment comprendre de A à Z comment le client se comporte et pourquoi est-ce qu'il achète. Ça, c'est important parce que c'est ce qui lui permet d'allouer de façon optimale son budget. C'est d'accorder plus d'importance à l'emplacement de la publicité qu'au message en lui-même. En interne, on a amené à travailler avec une variété de profils, ce qui est assez challengeant et intéressant parce qu'ils ont tous des backgrounds qui vont être très différents. Ça va du techos jusqu'au communicant en passant par le commercial. En externe, on est aussi amené à travailler avec des profils très variés, des partenaires commerciaux comme des comparateurs de prix, des prestataires avec qui on travaille, par exemple, ça peut être des agences graphiques qu'on doit briefer sur certaines campagnes. Excel, principalement, c'est le gros du travail d'un Traffic Manager, c'est les chiffres. Ensuite, effectivement, il a tous les outils d'analytics qu'on connaît sur le marché, donc par exemple Google Analytics, Larian ou d'autres. Et il a aussi tous les outils de back-office qui lui permettent de mettre en place ses campagnes pour Facebook, pour Snapchat, Instagram, etc. Faire de la veille, c'est d'abord se mettre à la place du consommateur ou de l'internaute lambda. C'est-à-dire jouer le jeu sur les applications qu'on utilise tous les jours, sur les sites internet qu'on visite tous les jours, d'être exposé à la publicité et d'essayer de comprendre le message ou de ce que le Traffic Manager qui a mis ce message-là a voulu nous faire comprendre. On a aussi toutes les publications spécialisées qui peuvent être intéressantes à benchmarker et à regarder au quotidien. Ça peut être Presse Citron, French Web, le Journal du Net, le blog du modérateur. Pour un junior, on peut tourner entre 30 et 40K euros par an. Sur des profils un peu plus experts ou seniors, on peut monter jusqu'à 60K euros par an. Mais effectivement, ces rémunérations-là, elles vont dépendre du secteur et de la taille de l'entreprise. Un Traffic Manager a la possibilité de monter en compétence sur des postes de management où il va gérer une équipe de trafiqueurs. Il peut aussi gérer des équipes différentes en termes digital où il y a des passerelles aussi avec le consulting par exemple. Pour devenir un bon Traffic Manager, il faut d'abord savoir bien maîtriser les outils de mise en place des campagnes. Ça te permettra d'avoir un avantage sérieux sur tes concurrents. Ensuite, savoir toujours te mettre à la place du client ou de l'internaute qui sera exposé à ta publicité, ça te permet de délivrer le bon message au bon moment. Et enfin, le plus important, c'est vraiment de maîtriser tous les raccourcis Excel.